Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live. Alors, un live un petit peu particulier aujourd'hui, un nouveau format. Donc, je reçois Marie Brunel. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, Marie, tu es assistante de communication au CEA. Et donc, on a décidé de tester un nouveau format d'émission pour les vendredis de la recherche. On va expliquer, on va essayer d'expliquer, enfin, tu vas expliquer. Ce qu'est la radioactivité, Défi challenge. défi challenge, En 20 minutes. voilà. Et moi, je serai le cobaye qui n'a aucune formation scientifique et qui va C'est parfait. écouter ce que tu as à me dire et qui va essayer d'avancer dans ses connaissances autour de la radioactivité. C'est parfait. La radioactivité, c'est un sujet en ce moment qui est très, 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 D'actualité. voilà, très d'actualité, dont on parle beaucoup. Et le minimum, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce que c'est vraiment. Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat à Marie, qui pourra y répondre. Je Donc, préfère même. voilà. Donc, elle veut des questions. Ouais. Et donc, Marie, pour commencer, tu es assistante de communication, mais une communication un petit peu particulière. Tu Oui. communiques sur quoi? Sur qui? Alors, assistante de communication au CEA Marcoule, qui est un site industriel nucléaire à 10 km de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Et je communique surtout, moi, auprès du grand public et des scolaires pour diffuser la culture scientifique. Donc, en fait, je fais le lien entre les laboratoires, nos chercheurs et le grand public et les étudiants. Voilà. Au CEA Marcoule, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup. Tu peux nous dire à peu près combien il y en Le a? CEA Marcoule, c'est. Alors, le site, le centre de Marcoule, c'est presque 5 000 personnes qui viennent travailler tous les jours. Au CEA, nous sommes 1 700 et c'est plus de 700 chercheurs. D'accord, donc il y a de quoi Et faire. quelque chose comme 200 étudiants et doctorants. D'accord. Et les laboratoires, ça fait Alors, des combien? laboratoires, surtout sur. Alors, deux grands axes, le démantèlement et l'assainissement, et puis tout ce qui est développer les énergies bas carbone. Alors, on est surtout connu pour l'énergie nucléaire, mais on travaille aussi sur le recyclage des batteries ou des panneaux solaires photovoltaïques, par exemple. D'accord. Donc toi, tu conçois et tu mènes des ateliers auprès de différents publics, plutôt scolaires, plutôt grand public, un peu de Oui, tout. alors C'est comment ça? scolaire, des collégiennes. Troisième, et puis des lycéens, parce qu'on a quand même des sujets de recherche qui sont complexes. Et puis après, donc, et on reçoit des étudiants sur le centre. Sinon, moi, par exemple, j'organise des conférences grand public le jeudi soir, une fois par mois, les jeudis de Marcoule. Dans la salle, dans l'auditorium, je crois qu'il y a Oui. une belle, très belle Ouais. auditorium. Ouais. Oui, on a une capacité de 250 personnes. Donc, une fois par mois, sur des sujets de sciences. Et puis on intervient dans les lycées. D'accord. J'étais d'ailleurs ce matin pour parler radioactivité. Où ça? Au lycée de Millau, D'accord, qui va d'accord. venir nous visiter la semaine prochaine. Très bien. Parce qu'on a une journée porte ouverte, on va dire laboratoire ouvert pour les lycéens, pour les inciter, pour leur faire découvrir le monde de la recherche et peut-être créer des vocations. D'accord, très bien. Eh bien, merci de participer à cette émission. Avec plaisir. Tu vas nous présenter un atelier, une thématique que tu as depuis Que quelques l'on, temps. ah oui, Tu qu'on es... propose aux scolaires, aux lycéens. C'est une animation qui peut durer des fois 10 minutes, c'est le temps que l'on a pour la fête de la science, mais qui dure sinon 1 h 30 quand on va dans des classes. Donc le but, c'est de vraiment faire comprendre, explique-nous ce que c'est le... La On est là pour radioactivité, quoi? Qu'est-ce qu'on va voir? et puis de manipuler. De manipuler. Ouais, allez, on va essayer de découvrir ça ensemble. Est-ce que tu penses que sur toi, tu as un objet radioactif? Samantha ne Je ne connaît pas pense les pas. questions. Hein. Je ne connais pas les questions. Je n'ai pas de formation Si, à ton scientifique. avis, si tu pouvais avoir un objet radioactif, ça serait quoi? Oui, tout le monde sort le même. Les clés? Non? Ah non, c'est pas ça. Souvent, c'est pas ça. Bon, alors, derrière, Le téléphone? Je n'ai pas sur moi les les. techniciens. Oui, un téléphone. Alors, souvent, on me dit, allez, tiens. Donc, souvent, on me dit, oui, bien sûr, on a un objet radioactif, c'est le téléphone. À ton avis, radioactif ou pas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Comment est-ce qu'on sait, du coup, si quelque chose est radioactif ou pas? Eh bien, on va utiliser un détecteur, parce que ça ne se sent pas, ça ne se voit pas, ça n'a pas d'odeur. Donc là, je vais mettre en route ce petit détecteur. Alors, il y a, je ne sais pas si ça se voit bien, à la caméra, là, il y a un... Ouais,
Il y a l'affichage. Alors, on a un petit écran. Les unités, c'est CS, donc des coups ou des chocs par seconde. Cet appareil, chaque fois qu'il détecte de la radioactivité, il y a une valeur qui s'affiche et surtout, il émet un bruit. Un bruit, voilà. Une sonnerie. Du coup, est-ce que dans la pièce, il y a de la radioactivité ? Ici, bip, oui. Oui, ouais. Donc il y a une radioactivité ambiante et c'est ce qu'on appelle le bruit de fond. Du coup, tu lis combien ? 0,6. C'est stable 4. Ou pas ? Non, c'est instable. Ouh là, c'est très instable. Je pense que Samantha ne savait pas que j'allais autant la faire travailler. Ça bouge beaucoup, oui. Oui, oui. Oui. Ça va aussi. Il y a un côté aléatoire, ça varie voilà, dans le temps. Voilà, 0,2. 6 ou 1,2. Ouais. Là, 0,4. Ouais. Sinon, au maximum, comme ça, des fois, dans la pièce, ça peut monter à 2 coups par seconde. D'accord. Donc, si je mesure un objet et que je mesure 1,4, je ne sais pas si c'est l'objet ou si c'est la pièce. Donc, nous, on va considérer qu'un objet est radioactif au-dessus de 2 coups par seconde. D'accord. Alors, je te laisse faire la mesure de ton téléphone. Il faut que le détecteur touche l'appareil et attendre quelques secondes que ça se stabilise. Alors, est-ce que tu dépasses les deux ? Non, 1,8 maximum. Oui, parce qu'un téléphone émet, reçoit des ondes, mais ce ne sont pas des ondes radioactives. Alors la question, forcément, elle va essayer de me c'est la première maintenant. Question, c'est ouais. Mais c'est dangereux alors ? Vraiment, les effets de la radioactivité, on va un peu plus vite que ce que j'avais prévu. Les effets de la radioactivité sont comparables aux effets du soleil. À faible dose, pas de problème. On s'expose tous les jours au soleil, on baigne dans de la radioactivité. Ce sont des valeurs naturelles et tout à fait compatibles avec la vie humaine. D'accord. Si on s'expose trop au soleil, soit on s'endort pendant une sieste le 15 août, et là, du coup, nos cellules vont être brûlées, et vont mourir. Ça, c'est un premier effet du soleil. Sinon, à long terme, si on s'expose un petit peu trop, on sait que le soleil va provoquer des cancers. La radioactivité, de ce côté-là, comme c'est un rayonnement comme de la lumière, les effets sont les mêmes. À faible dose, aucun problème. Si on expose nos cellules à une très 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 forte dose, ça va être malheureux. Ce qu'on utilise en radiothérapie, là on va tuer des cellules. Sinon, si on a une dose un peu trop élevée tout au cours de sa vie, ça va provoquer des mutations dans notre ADN et ça peut provoquer des cancers. Donc tout est une question de dose. Et on va voir tout à l'heure que comme pour le soleil, on sait se protéger de la radioactivité. D'accord. Alors j'ai amené des objets. Tiens, donc je te redonne le détecteur. Donc dans la vie de tous les jours, je reviens quand même. Dans la vie de tous les jours, sur nous, normalement, on n'a pas d'objet radioactif. Il n'y a que la D'accord. radioactivité ambiante radioactivité dans laquelle ambiante. On est. Alors, on s'amuse, un objet qui fait un peu de bruit. Là, alors, c'est là que je trouve que ça fait très téléachat. Hein. J'ose le dire. On n'a rien à vendre. Donc, un bol en verre. C'est de l'ouraline. Et cette jolie couleur verte, donc le verre a été teinté, il faut le laisser coller. Le verre a été teinté à l'uranium. J'étais étonnée par le... Oui, c'est de l'uranium. C'est ouais. Acheté sur eBay, hein. J'ai D'accord. pas... 13. Ouais. 13 coups par seconde. Donc ça, c'est du verre dans lequel on a rajouté un petit peu d'uranium. Dans le même genre, alors là, je vous montre l'objet, c'est un filament de lampe à gaz. Tiens, je te laisse faire la mesure. Oui, il est dedans, c'est le filament, ouais, il est à l'intérieur. Ouais, voilà. Alors, je m'échappe, pardon. 290, je vais m'échapper moi aussi, je crois. Je reviens, c'est juste pour montrer la lampe à gaz, le filament. Donc là, c'est un filament qui était vendu, on y a rajouté un petit peu de thorium, qui est un élément radioactif. Maintenant, les filaments qu'on peut acheter ne sont plus radioactifs. D'accord. Et d'ailleurs, même sur l'emballage, il y a un trèfle qui est barré. Je te le rends. Tu me rends. Allez, un bloc de calcaire. Tiens, alors ça, c'est du calcaire coquillé. C'est le même que l'on va trouver au Pont du Gard. Ça va. Ça va, ouais. Est-ce que vous pourriez... Non, ça va être là. On va comparer avec maintenant du granit. Ça monte. 3,8. Ouais, donc le granit est un petit peu radioactif parce qu'il y a un petit peu d'uranium. Du coup, après le granit, je te propose de tester le sable récupéré à l'espiguette. Dessous peut-être ou dessus. Donc il y a quelques années, il y avait eu un reportage à la télé disant que le sable de l'espiguette
était radioactif. À ton avis, c'est vrai ou pas? 3,2. Ouais. Donc, il est radioactif ou oui. pas? Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a, de l'uranium dedans. Ouais. Donc, et pourquoi il y a de l'uranium dedans? Ben parce qu'en fait, le sable, c'est des débris de roche. La roche, elle subit l'érosion. Elle va forcément désagréger et se transformer en sable. Et du coup, ben, si la roche est radioactive, le sable, même s'il est à 300 km, il est resté radioactif. Donc, c'est une roche granitique, peut-être. C'est un sable, oui, mélange, il y a des déchets de granit. Autre objet, vous voulez des objets qui bipent ou qui bipent pas? Qui Allez, bipent. Dans la vie de tous les jours, de l'engrais riche en potasse. Ouais, l'engrais, dans l'engrais, c'est le potassium qui est radioactif. D'accord. Allez, une montre. Alors, c'est une vieille montre, vas-y. Dans les aiguilles sont peintes avec une peinture radioluminescente. 1371. Oui. Alors maintenant, cette peinture, elle est interdite parce que les dames qui peignaient ces aiguilles pour avoir un pinceau bien fin mettaient le pinceau à la bouche. Et du coup, on sait. Oui, au début, quand on a découvert la radioactivité, on n'avait pas en même temps pris connaissance des dangers. Donc, elles ont développé des cancers. Donc, on a interdit cette peinture. Pas de problème pour le porteur de la montre. D'accord. On peut comparer? Rien. Non. On a changé, on n'utilise plus de peinture radioluminescente. Alors, si tu veux, on va éteindre ce détecteur parce que le bruit est peut-être désagréable pour tout le monde. Alors là, on a deux roches. On en a une qui n'est pas radioactive et on en a une qui est radioactive. Maintenant, ça serait bien quand même d'expliquer un petit peu pourquoi. On n'a pas de questions encore? Qui nous demande pourquoi. Alors, si on veut comprendre le phénomène de la radioactivité, il faut faire un zoom très très puissant sur la matière. D'accord. Et toute la matière est composée d'atomes. Ouais. Un atome. Alors, voilà, j'ai pris un modèle. Et, voilà, et on le voit aussi à l'écran. Donc, ouais. Normalement, l'atome, il faudrait que je fasse comme ça. L'atome, il est toujours composé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Donc les électrons, là, ça serait les petites billes jaunes, mais elles bougent en permanence. Les électrons ont une charge négative, et dans le noyau, on a des neutrons et des protons. Les neutrons sont neutres, les protons sont positifs. Un atome, attention là, il va laisser te coincer. Un atome est électriquement neutre. Ça veut dire qu'il y a autant de négatif que de positif. De négatif que de positif. Donc, dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons. Et le nombre de protons, il est super important parce que c'est lui qui définit l'élément. Si on prend le tableau périodique... réactif. Donc, dans le tableau périodique, on a tout l'ensemble des éléments qui sont classés en fonction du nombre de protons parce que c'est lui qui définit l'élément. Dans un atome, quand j'ai un proton, je suis sûre que c'est de l'hydrogène. Quand j'en ai deux, je suis sûre que c'est de l'hélium. Après, le nombre de neutrons, par contre, lui, il peut varier. Alors, 99% des atomes, ça c'est ma statistique personnelle, je ne dois pas être loin de la réalité, 99% des atomes sont stables. Ça veut dire que dans le noyau, il y a un bon équilibre entre le nombre de neutrons et de protons. Mais, il y a un certain pourcentage de noyaux qui sont trop chargés. Donc là, je vais prendre une image. Nous, si on est trop gros, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Maigrir, de perdre du poids. Mais le noyau instable, qui est trop chargé, il va éjecter tout ce qu'il a en trop. La radioactivité, c'est simplement... Alors là, on peut peut-être passer à planche suivante. La radioactivité, c'est simplement un noyau instable, trop chargé, qui éjecte ce qu'il a en trop. Ça va? Jusque-là, ça va. Mais c'était presque le plus compliqué. Hein. Donc, l'atome, il a trois régimes possibles. Il éjecte d'un seul coup deux neutrons et deux protons, de bleu, de rouge. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement, l'émission alpha. Soit il éjecte une particule, positive ou négative. C'est le rayonnement bêta, bêta plus, bêta moins. Et dans tous les cas, c'est accompagné d'une émission d'énergie. C'est le rayonnement gamma.
Donc la radioactivité, rayonnement alpha, bêta ou gamma, en fonction de ce qui est éjecté par le noyau. D'accord. Donc mon détecteur, il émet un bip chaque fois qu'il est percuté par de l'alpha, du bêta ou du gamma. Ce détecteur ne fait pas la différence entre les différents rayonnements, alors que là, sur la table, j'en ai un autre. Alors, besoin de voir l'appareil. C'est bon. C'est bon. Donc, tu peux enlever les différents rayonnements, le noyau. Même si on ne le voit pas. Donc, celui-là de détecteur, il est, merci, équipé de deux sondes. Cette sonde ne va détecter que le rayonnement alpha, alors que celle-là va détecter le rayonnement bêta-gamma. Ouais, vous ne m'avez pas dit. Souvent, le grand public, souvent, il me dit que cet appareil ressemble à quelque chose. Toi, tu ne me l'as pas dit. Elle est occupée à lire les questions. C'est parce qu'il y a une question dans le chat. Question. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut rendre instable un atome stable ou ce sont des propriétés intrinsèques? Non. Un atome... Alors, naturellement... Si. On peut. Oui. Oui. Un atome stable peut être rendu instable, oui. D'accord. Là, tu me posais la question de... J'avais pas dit à quoi ça ressemblait. Pardon, c'est que je pars dans tous les sens. D'habitude, quand je sors, là, je suis déstabilisée, tu ne m'as pas dit... Oh, Marie, tu es venue avec ton sèche-cheveux pour faire tes brushings ici. Non, parce que souvent, à ce moment-là, on me dit, mais Marie, tu as aussi un fer à repasser. Bon, allez. C'est un peu sexiste, hein. Oui, c'est très sexiste. Achat. Ah, c'est pour ça. Voilà. Donc cet appareil, je vais le mettre en route. Et donc il y a une aiguille. Attends, tu vois pas. Hein. Mais lui aussi, il va émettre des bruits. Donc suivant comment je place ce petit interrupteur. Ah oui. Tout à l'heure, je l'ai fait tomber. Il a pas aimé, on dirait. Ça y est. Ah non, je sais. C'est la lumière qui le déstabilise. Non, c'est bon. Il suffira de ne pas diriger... il est sensible à la lumière. De ne pas diriger la sonde vers les spots. Donc là, on mesure l'alpha. Et quand je mets l'interrupteur de ce côté, avec cette sonde, on mesure le bêta-gamma. D'accord. Alors, on va reprendre notre filament de lampe de camping gaz. Et est-ce que... Alors, où est-ce qu'il faut que tu te mettes pour que les gens voient bien? Là, voilà. Est-ce que tu peux me dire, alors je mets l'interrupteur du bon côté, s'il y a de la radioactivité alpha? Oui, il y en a. Alpha. Ouais, il y a quand même un mauvais contact. Alors, j'espère que ça va marcher, ma manip. Je vous disais tout à l'heure que la radioactivité, on sait s'en protéger, en mettant des écrans comme pour le soleil. Alors, pour le soleil, on met de la crème. Ça n'existe pas contre la radioactivité. On fait de l'ombre. Bon, voilà. Alors, soit on met un parasol ou une casquette. Avec la radioactivité, c'est pareil. On va mettre des écrans de protection. Alors, je vais essayer délicatement de refaire la mesure. Attends. Ouais, c'est bon. Et alors là, maintenant, on va refaire la mesure avec le papier. Ouais, on a un mauvais contact. Ah. Vas-y, enlève la feuille de papier. Ouais. Voilà. Donc une simple feuille de papier, mon détecteur quand même n'est pas en super forme, une simple feuille de papier arrête le rayonnement alpha. Si on prend le bêta-gamma, vas-y je te laisse faire, là la sonde sera moins... On en a. Je mets le papier. Tu mets le papier. Sur le bêta-gamma, ça fait rien. Le bêta, il faut mettre... Le bêta, on l'arrête avec de l'aluminium. Alors là, on peut peut-être mettre la slide suivante. Si on regarde l'aiguille, ça diminue. La seule d'après. Oui. Donc ça, c'est du plomb. Alors, il en reste encore un peu. Parce qu'on n'a que quelques millimètres de plomb. D'accord. Mais donc là, c'est affiché. Et de l'aluminium, les deux ensemble. Alors, parce que le plomb tout seul aurait fait du bon boulot. Ouais, c'est ce qui arrête qui atténue. Le vrai mot, c'est atténuer. Ce qui atténue le mieux la radioactivité, c'est le plomb. Mais après, tout est une question d'épaisseur. Ce qu'il y a de plus, on va dire, radioactif au monde, c'est quasiment le combustible usé de la centrale nucléaire.
quand on veut s'en protéger, soit on l'enferme lors des déplacements dans ce qu'on appelle des châteaux de transport, c'est des boîtes en plomb, et là on peut être à côté, pas de problème, soit on va, quand on doit l'entreposer, le plonger dans des piscines. Et en fait, 3 mètres d'eau arrêtent aussi bien la radioactivité que 1 mètre de béton ou que 20 cm de plomb. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce qui est éjecté va être freiné, ralenti par la matière. Et du coup, ça ne sort pas. D'accord. Et si on cumule les différentes matières, on arrive à complètement tout arrêter. Oui, oui. Bon, mais avec le plomb, on arrête l'alpha, le bêta et le gamma. Ça va mieux ? Jusque-là, ça y est, ça va. Je comprends. Alors, maintenant, j'aurais aimé qu'on parle de comment évolue la radioactivité dans le temps. D'accord. Alors là, pour ce faire... C'est une grande première. Je n'ai jamais fait cette expérience, voilà, cette expérience en live comme ça. Donc là, je vais faire appel. Il faut au départ à ton imagination. Je vais arrêter les détecteurs, sinon ils vont me casser les oreilles. Bon, il n'a pas aimé tomber tout à l'heure. On va faire une expérience. Là, c'est mathématiques, c'est des statistiques. Mettre dans ce gobelet tous ces petits cubes qui sont, donc un cube 6 faces, il y a 5 faces grises et une face noire. Donc on va les mettre dans le gobelet. Samantha ne sait absolument pas ce que je vais faire. Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, et j'ai même pas pu voir, si c'était comme ça à la fête de la science, j'ai même pas pu voir les ateliers à la fête de la science. Donc alors, pas ce que je vais te demander de renverser le gobelet. Vas-y, renverser le gobelet. Ouais. Et de, on met un peu à plat, et de trier. Les faces noires. Voilà, tomber face noire vers le haut. Ça se voit à peu près à l'écran. Ouais. C'est-à-dire que j'extrais les faces noires de tout ça. Ouais. D'accord. Notre téléachat est quand même. C'est au top, ouais. Marie, ton téléachat. On est bien parti pour cette expérience. Alors. Donc, il faudrait que tu viennes placer tous les dés noirs maintenant dans la première colonne. Voilà. Attention aussi qu'on peut bien faire en classe. Mais au lieu d'avoir un gobelet en classe, on a 4 ou 5 gobelets comme ça. Tous les enfants viennent, chacun vient mettre son... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de colonnes, c'est pour ça. Et non, parce que alors, tous les enfants viennent premier lancé, première colonne. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il va falloir que tu refasses l'expérience 30 fois. Et là, tu te dis, mais ça va être interminable. Alors, voilà. Voilà. Je vais te demander de le refaire une deuxième fois, s'il te plaît. Tu remets tous les gobelets. Ah, je remets tout dans le gobelet. Tout dans le gobelet. J'ai prévu... Cuisine, t'inquiète pas, le gâteau est déjà cuit. Un deuxième gâteau est déjà cuit dans le four. Ah, ça c'est bien. Parce que moi, j'ai absolument pas prévu de... de tirer des dettes l'après-midi. Voilà, c'est ça. Vas-y, tu renverses. Allez, je renverse. Et je mets tous les noirs là-dedans. Dans la deuxième colonne. Et alors, du coup... Vas-y, rassure-la, montre-lui qu'on a la photo... Donc, la dernière fois que je suis allée dans un lycée, j'ai pris le résultat de leur expérience en photo. Je continue ? Hop, il n'en reste plus qu'un, c'est bon. Voilà. Celui-là, c'est bon. Le dernier, voilà. Alors. Donc là, si tu regardes toi aussi à l'écran, tu vois, j'ai pris en photo... Donc, premier lancé, deuxième lancé, etc. On l'a fait en classe. Ouais. On a répété cette expérience, enfin le lancé de dés 30 fois à peu près. Le nombre de dés tombés face noire au cours des lancés augmente, diminue ou il est stable ? Il diminue. Là, tu vas me dire, mais il diminue. Et est-ce que tu saurais, toi, expliquer pourquoi il y a eu moins de dés noirs au deuxième lancé qu'au premier ? Parce qu'il y en a moins dans le gobelet, donc il y a plus de chances. Il y a moins de chances qu'il y en ait qui tombent. Côté noir. Absolument. Ah non, c'est fou. Si. À chaque lancée, il y a moins de dés dans le gobelet, donc on a moins de chances d'avoir des dés qui tombent sur le noir. La statistique est toujours la même, mais voilà. C'est bon. Mais alors, donc du coup, là, on était là pour parler radioactivité.
Oui. On joue au dé. Oui. Donc, en fait, il faut comparer. Il faut avoir un peu d'imagination maintenant. Je vais poser mon support. Oui, c'est un peu lourd. Il faut comparer ce stock de cubes à notre stock au départ d'atomes. On peut imaginer que... allez, je vais prendre là pour l'engrais. J'ai un certain nombre d'atomes instables, hein, mes noyaux qui sont trop gros. Ils éjectent ce qu'ils ont en trop. Ouais, mon détecteur, je mesure. Mais une fois qu'ils ont éjecté ce qu'ils ont en trop, ils deviennent stables. Donc, ils n'émettent plus de radioactivité. D'accord. Donc, au fil du temps, il y a de moins en moins d'atomes instables. Donc, il y a de moins en moins de radioactivité. Donc, la radioactivité diminue dans le temps. D'accord. Et en physique, il y a une notion qui est importante, c'est le temps de demi-vie. Où on dit, on parle aussi de période radioactive. Et là... J'ai mon assistant qui est tout content, qui vient de comprendre quelle image il fallait qu'il envoie. Non, c'est pas la bonne. Yannick. Voilà. Donc, la radioactivité diminue dans le temps. Et le temps de demi-vie, ou période radioactive, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié des atomes se soient désintégrés. Pour... Je vais prendre... Oh là là, je n'ai pas en tête. On va, allez, l'uranium-238. Pardon si je me trompe. C'est quelque chose comme, je crois, 4 millions d'années. Donc, la radioactivité de ce granit dû à l'uranium diminue de moitié tous les 4 millions d'années. Il y a des éléments, c'est beaucoup plus rapide. Le carbone-14, qui est un isotope radioactif du carbone, son temps de demi-vie, lui, c'est 5600 ans. Donc, tous les 5600 ans, la radioactivité est divisée par deux. Et je prends l'exemple du carbone, pas au hasard, parce que c'est ce qui permet de faire la datation au carbone 14. Tous les êtres vivants ont la même radioactivité tant qu'ils sont vivants, justement. Parce qu'on a un échange avec le milieu naturel, donc ce qu'on perd par décroissance s'équilibre par ce qu'on gagne en mangeant. C'est ça qu'on appelle le principe de demi-vie, c'est ça? Oui, le principe de demi-vie. D'accord, voilà. Non, mais c'est assez donc, explicatif, ça parle bien. quand on retrouve une cendre au fond d'une grotte, la cendre, c'est du bois, c'était du vivant. En mesurant sa radioactivité, et grâce à cette courbe de décroissance, on peut savoir depuis combien de temps ce bois a été coupé, on va dire. Voilà. Donc, ça permet de la datation carbone 14, c'est une application de la radioactivité. Ça permet de dater des végétaux ou des animaux qui ont entre 5000 et 50 000 ans. Puisque au bout de 10 périodes, 10 fois ce temps de demi-vie, la radioactivité est devenue tellement faible qu'elle est presque plus mesurable. D'accord. Ok. Et on est allé loin, hein ? Oui, oui, oui. Alors là, moi, ce que je vous ai permis de voir des objets radioactifs, on l'a entendu, mais si vraiment on veut la voir, eh ben, il faut venir, c'est là que je rebondis sur le forum ResNuc, très bien. Puisque, alors, il me faut mes anti-sèches, le mercredi 8 février, le jeudi 9 février, les masses ResNuc, ce qui veut dire ResNuc, des risques nucléaires, ouais. Organise un forum. Alors, c'est surtout un temps d'échange avec des professionnels. Il y a des conférences, des tables rondes. Mais ils auront une chambre à brouillard que nous leur prêtons. Et qui, si elle fonctionne, si. Et qui permet de voir des traces laissées par la radioactivité dans un petit brouillard. D'accord. Ça, je ne vous en dis pas plus. Il faut venir au forum ResNuc. D'accord, très bien. Donc, le CEA collabore avec ce master pour organiser le forum qui a lieu tous les ans. Très bien. À l'université. Très bien. Et toi, tu es en lien avec les étudiants pour cette organisation, c'est ça ? Mais du coup, je leur donne du matériel. Voilà. Et tu vas les aider à préparer la démonstration. La démonstration, pour faire fonctionner la chambre à brouillard. Et on leur prête aussi le jeu Climatic Tac. Alors là, ça n'a plus de rapport avec la radioactivité, mais leur forum, ils l'ont appelé le nucléaire face aux défis climatiques. Oui, c'est la thématique de cette année. Ouais. Ouais. Donc, le défi climatique, je leur prête ce jeu qui est vraiment un jeu grand public familial, qui est sympa. Qu'on l'a testé à la fête de la science aussi, il y a beaucoup plu. Hein. Oui, ouais. Qui permet... quand on parle réchauffement climatique, c'est
pas forcément ludique, hein, mais là, il permet d'aborder le sujet au travers de défis. Du coup, c'est un jeu collaboratif. Tous les participants essaient de limiter les effets des changements climatiques. Donc, vous pourrez aussi tester ce jeu lors du forum. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pour l'instant, pas de questions. Bon. Et sinon, au niveau timing, on est bon? On est bon. On a des pouces en l'air. Eh bien, c'était très intéressant. Ouais. Ça va, tu ne m'as pas trop piégée. Non, le but n'était pas de piéger. Non, le but, c'est aussi de montrer que, voilà, il y a des dispositifs comme celui-là qui permettent vraiment de faire comprendre les sciences de façon ludique, en manipulant, vraiment quelque chose de loin de la théorique, et que, voilà, et qu'il y a des personnes qui travaillent pour, qui ont cette mission-là. Essayer de rendre accessible. Ouais. Voilà. Et ça, c'est des ateliers. Donc, tu travailles sur plusieurs ateliers et c'est spécialisé sur le phénomène de la radioactivité ou tu as d'autres choses? Alors, pour intervenir dans les lycées en ce moment, c'est surtout pour parler de radioactivité. Je trouve que c'est important de découvrir ce phénomène et de se familiariser avec. Parce qu'il y a tellement de beaux métiers en lien avec l'énergie nucléaire que c'est bien de se familiariser avec cette notion physique. Oui. Alors, je crois qu'il y a une question. Une question. C'est quoi le futur du nucléaire? Alors là, on va faire 2 heures d'émission. Alors, le futur du nucléaire. En ce moment, on en parle beaucoup. Ouais, en ce moment, on en parle beaucoup. La loi de la transition imposer 50% d'électricité d'origine nucléaire au plus. Et là, les sénateurs, les députés sont en train de voter une loi pour dire 50% au moins. Donc, nous, c'est bon, on est un organisme de recherche. On conseille les politiques et les dirigeants, mais ce sont des choix politiques. Mais c'est vrai que sont prévus quand même la construction de plusieurs nouveaux réacteurs. Voilà. D'accord. Donc, on dirait que le nucléaire repart. D'accord. Et donc le travail d'explication, de compréhension, de médiation est d'autant plus important. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de demandes d'explication, parce que c'est la base, en fait. Hein, c'est la base du débat public. Il faut arriver à comprendre un petit peu. Là, on a vu ce que c'était, mais les implications, il y a beaucoup de choses autour. L'économie circulaire, etc., etc. Il y a énormément de choses à comprendre et à développer sur cette thématique-là pour aborder cette question, effectivement, de l'avenir du nucléaire. Il y a beaucoup d'éléments à appréhender. On anime aussi une fresque d'économie circulaire. Ah, voilà. L'économie circulaire, oui. Important, très important aussi. Lancement publicitaire. C'est très bien, oui. Oui, c'est une thématique de recherche des labos du CEA, l'économie circulaire. Oui. Ben, merci beaucoup, Marie, pour nous avoir expliqué tout ça. On a, grâce à toi, testé un nouveau format de live des vendredis de la recherche. Je pense que c'était assez intéressant. Voilà, merci à Laurie pour les questions. Merci beaucoup. Et puis, moi, je vais vous laisser. On va lancer une vidéo donc pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur la radioactivité. Sur la découverte, je complète. Voilà. Sur la découverte, et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'à la fin, il y a la démarche des chercheurs et des scientifiques qui émettent des hypothèses, qui les testent. Et qui après. Et ça permet aussi d'appréhender la thématique et les questions autour de ce qu'a expliqué Marie aujourd'hui. Donc vous pouvez, nous on va vous quitter, puis on va lancer la vidéo. Et vous pourrez regarder cette vidéo, elle est aussi sur la chaîne YouTube du CEA. Oui, c'est vrai. Voilà, et elle permet de bien comprendre la découverte et l'histoire de la radioactivité. Voilà, je vous laisse, merci beaucoup, merci Marie. Avec plaisir. À bientôt pour une autre émission, avec un autre atelier, une autre thématique. Avec plaisir, bon après-midi. Au revoir.